une certaine douceur de vivre et d'insouciance. Les scooters trottinettes fleurissent les rues de Saint-Laurent-du-Maroni. Une sorte d'ovni citadin. 50% scooters, 50% trottinettes et 100% électriques, les Saint-Laurentais l'ont adopté pour leurs déplacements urbains. Moi, acheter, mais pour l'embouteillage, quand il y a beaucoup d'embouteillage, vous pouvez sortir, vous pouvez aller plus vite. Camionnette, moi, en panne, il n'y a pas qu'à dire un jeu. Bon. M'acheter ça juste pour inviter de marcher avec pied. On n'a pas qu'à faire tout. On n'a pas faire salpé. Même vin là, bon, on peut mettre on surmange le cochon là, on peut aller avec. Okay. Il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de licence, il n'y a pas rien du tout. C'est ton cul pour moi, pour ça, mais pas que casser juste bouger dans les coins là. Ultra tendance, la nouvelle immobilité a bien percé dans la capitale de l'Ouest. Depuis un an, ce vendeur en a vendu déjà une soixantaine. L'autonomie est de 50 km, donc comme à Saint-Laurent, tout est un peu près, ça arrange tout le monde. Déjà, il n'y a pas d'essence, c'est pas peine d'aller faire de l'essence, et puis voilà, c'est économique. Des conducteurs à la fibre écolo, des engins au style custom épuré, des pneus extra larges, un moteur électrique et surtout ultra silencieux. Embarquement immédiat. Demandez environ jusqu'à 50 à l'heure. Tranquille quoi. Tranquille, calme. Un engin hybride entre la trottinette et le scooter électrique. Du coup, il existe encore un flou dans la réglementation. Il est vraiment silencieux et dangereux. Parce que quand on dit silencieux, c'est que les personnes qui sont derrière nous, devant nous, ne nous entendent pas arriver. Voilà quoi. Si on ne klaxonne pas, voilà quoi. Mais il est agréable. Pour le moment, il n'y a pas de loi pour ça. Ça veut dire que tout le monde se permet de rouler son casque, sans protection. Je pense que ça aurait été bien qu'il commence à avoir pour mettre une loi, pour mettre les casques, tout ça, parce que là, c'est un peu dangereux. Si les engins non motorisés sont assimilés à des piétons par le code de la route, leurs homologues motorisés n'ont pas vraiment d'existence juridique.